Bonjour. Je suis pas parisien, mais mon rendez-vous, c'est à l'Assemblée nationale. Je crois que j'ai eu des tragédies dans ma vie qui ont fait que j'ai réussi à les transformer en quelque chose de très positif. J'ai perdu ma maman à 6 ans. Mon papa, j'avais un peu plus de 20 ans et c'est trop jeune, quoi. Et je me suis retrouvé à l'orée de la vie, avec plus personne pour m'indiquer un chemin. On a toujours des parents qui nous disent « Ok, tes rêves, ils sont beaux, mais si tu faisais des études, ça serait pas mal quand même. » J'ai fait des études parce que je conseille toujours aux mômes de faire des études. Au-delà de choisir un métier, c'est surtout pour la liberté. Plus on apprend, plus on est libre. Et moi, je me suis retrouvé seul et c'est mon cœur qui a parlé. Et j'ai pu entendre mon cœur parce que je n'avais pas d'autre voix autour de moi qui perturbait tout ça. Et mon cœur m'a dit « Va sur les routes ». Il m'a dit « Va chanter, va faire ça ». Et je me suis battu pour le faire et j'ai aimé ça. Et aujourd'hui, je suis exactement sur le chemin que je devais choisir parce que je me sens heureux, parce que je me sens épanoui sur la route, sur scène. Le besoin d'amour de provoqué par, peut-être multiplié, provoqué par la mort de maman, peut-être, fait que c'est un métier où je peux hurler tous les soirs « Donnez-moi de l'amour, j'ai besoin d'amour ». Et tout ça, c'est quelque chose qui me booste totalement, vraiment. J'ai la foi, en fait. C'est très présent chez moi, mais j'ai tendance à dire que je n'ai pas de religion entre Dieu et moi. Et je me souviens être sur une place de mon village à Vernay-les-Bains. Je me souviens avoir 12-13 ans et discuter avec un ami. Et lui m'a dit clairement, moi, je veux être pompier. Et il est pompier professionnel, il est heureux comme tout. Et moi, j'ai souvenir précis de lui avoir dit, je ne sais pas, je veux voir le monde, j'aimerais être troubadour et avoir plein d'enfants. Et aujourd'hui, je vis ça, c'est que je réalise que mes rêves sont près de moi, sont dans mes bras, sont dans mon cœur. Je suis troubadour et j'ai 4 enfants.